Donc, on commence avec la présentation de Morija. Je vais juste lire son bio en avance. Morija Kitenge-Banza est une artiste canadienne d'origine congolaise née à Kinshasa en 1980 en République démocratique du Congo. Il est diplômé de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, de l'École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole, ainsi que la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de La Rochelle. En 2010, il a été lauréat du premier prix de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar pour la vidéo Him and You et pour son installation de 1848 à nos jours. Il a reçu un prix Sobey en 2020. Son travail a été présenté au musée Dauphinois en Grenoble, France, au Museum of Contemporary Art à Roskilde, désolé, à Danemark, à la Arendt Gallery et à la NGBK en Berlin, Allemande, et à la Biennale International de Casablanca en Maroc. À la Fondation, oh, il y a plein de mots que je ne sais pas comment bien prononcer, mais je vais essayer. Ati Jariwafa et à la Fondation Blanchard, ainsi qu'à la BANQ, la Galerie Joyce Yehuda à Opéra et au Musée des Beaux-Arts de Montréal. En 2020, des œuvres de l'artiste ont été incluses dans des expositions de groupe à la Fondation FI ainsi qu'au Musée d'art contemporain de Montréal. Et avec ça, je vais passer la parole à Morija. Merci beaucoup, Prakash, et puis merci à vous tous qui êtes là ce soir avec nous. Moi, je ne vais pas parler beaucoup, je vais plutôt laisser la place aux artistes pour parler. Déjà, avant de commencer, je voudrais quand même dire merci au Centre Clark parce que c'est mon premier projet en tant que commissaire. Donc, je suis vraiment content de faire ce projet-là avec le Centre Clark. Et puis, enfin, je fais des remerciements peut-être. Je pense que ma présentation, ça va être juste des remerciements. Je remercie spécialement Corinne Lemieux, qui m'a supporté durant tout le montage. Et puis, je remercie aussi le CAM, qui a été présent pour ce projet. Et en fait, Habiter le monde, c'est une histoire. C'est un projet que j'avais depuis très, très longtemps. Je ne savais pas comment le faire, parce qu'avant, j'hésitais au fait de le faire, comme je n'étais pas commissaire. Moi, je suis artiste en art visuel. J'essayais d'en parler à différentes personnes, de pousser différentes personnes à pouvoir le réaliser. Et puis un jour, j'en ai parlé à Tania Omerjus, qui travaille au Conseil des arts de Montréal, que je remercie aussi, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? D'où est parti ce projet-là, au fait, de se dire, ben, je vais tester, je vais essayer de proposer un projet à plusieurs volets. Donc j'ai eu l'aide de Marie-Michel Cron, à qui j'ai parlé. J'ai dit, tiens, est-ce que tu connais les gens à Clark? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont accepter de moi et tout ça? Donc, le projet, il est allé vraiment très vite que je ne le, vraiment, il est allé très vite que je ne le pensais. En fait, moi, je pense que j'ai commencé les discussions en novembre 2019, si je ne me trompe pas. C'est parti très vite. On a eu un accord du CAM pour un financement du projet. Donc, Habiter le monde, c'était un projet qui est à trois volets. Le premier volet qui était celui de partir à la Biennale de Dakar l'année dernière. Donc, la Biennale de Dakar, pour ceux qui ne savent pas, c'est une biennale internationale qui se déroule au Sénégal. C'était une biennale, au fait, pour moi, pour ma carrière personnelle en tant qu'artiste, a beaucoup joué, au fait, pour ma carrière en tant qu'artiste. J'ai été là-bas la première fois en 2010 et j'ai rencontré, au fait, d'autres artistes africains et d'autres artistes noirs. Et ça a été une expérience pour moi intéressante parce que finalement, dans cette question d'habiter le monde, je dis souvent en rigolant que moi, je suis originaire du Congo. Quand j'habitais au Congo, en fait, mon questionnement était, disons, c'est quoi ma place dans le monde en tant que Congolais? Donc, c'est quoi ma place dans le monde en tant que Congolais? C'est quoi ma place en Afrique en tant que Congolais? Et depuis que j'habite au Canada, à Montréal, donc, c'est quoi ma place à Montréal? C'est quoi ma place au Canada? C'est quoi ma place dans le monde? Donc finalement, cette question de toujours de voir
quelle place on occupe dans l'espace. J'en ai fait au fait aussi des réflexions dans mon propre travail d'artiste, au fait d'artiste en art visuel. Et c'est un peu de cette façon-là que j'ai voulu mener ce premier projet de commissariat aussi d'exposition. D'ailleurs, je l'intitule comme un essai en art visuel, parce que tout justement, en lisant l'essai de Félix Sarr, Habiter le monde, tout justement, cet essai en littérature, et je me disais, c'est un essai de politique relationnelle qui est très intéressant, au fait, pour moi, parce que c'est un livre qui m'a été conseillé par Diane Gistal, qui est une commissaire aussi avec qui je travaille beaucoup, avec qui j'ai beaucoup de discussions aussi. Et cet essai, au fait, m'a permis de, pas de comprendre, mais de remettre un peu en contexte la façon dont j'habitais Montréal, au fait, la façon dont je circulais dans Montréal, l'histoire du territoire de Montréal, l'histoire du territoire du Québec, l'histoire du Canada, en lien avec mon histoire personnelle. Et finalement, de me poser la question de dire, est-ce que la pensée que j'ai ici en tant que jeune, oui, je suis encore jeune, oui, en tant que jeune artiste noir, et en fait, même la question noire, c'est la question noire, je me considère, je ne dis pas que je ne suis pas noir, ce n'est pas ça la question, mais même le fait d'en parler, c'est parce que je suis à l'étranger que j'en parle. Parce que tout justement, quand j'habitais dans mon pays d'origine, je ne parlais jamais sur le fait d'être noir, en fait. Parce que pas que je ne me considérais pas comme noir, mais je n'avais pas besoin d'en parler. Et en fait, je me suis posé la question moi-même personnellement en disant, est-ce que ma réflexion en tant que noir à Montréal, au Québec et au Canada, c'est la même réflexion ou ce que moi je pense être intéressant pour moi en tant que noir ici, est-ce que c'est la même chose pour tous les noirs du monde? Est-ce que je parle, quand je parle d'ici, je parle pour tous les noirs du monde? Non, évidemment, je ne parle pas pour tous les noirs du monde, parce que la question, vivre en tant que noir dans le monde, c'est pas pareil partout, comme vivre en tant que blanc dans le monde, évidemment, ce n'est pas pareil partout. Mais l'histoire va faire que certains préjugés vont penser que tous les noirs vivent pareil, tous les noirs habitent le monde de la même manière. Et en fait, dans ces questions-là, il y avait des rencontres avec d'autres artistes, avec d'autres commissaires, des discussions sur cette question des préjugés qui vont faire croire que comme on est noir, on habite tous le monde de la même manière. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, ce projet de Dakar, tout justement, ce voyage à Dakar, c'était de dire, mais j'ai envie d'aller avec d'autres artistes d'ici, des artistes issus de la diversité, comme on dit, mais que moi, je ne vois pas, au fait. Parce que y a aussi cette question-là de dire ben, qui on voit, qui on ne voit pas. Je ne veux pas aller dans pourquoi on ne voit pas, mais je veux juste m'arrêter dans qui on voit et qui on ne voit pas. Et c'était au fait de dire, tiens, j'ai envie de faire ce voyage-là. J'ai envie d'aller dans cet espace qui, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, reste un espace important pour ma carrière artistique et par rapport à tout ce qu'elle a emmené, tout ce qu'elle a développé. J'ai envie d'essayer de partager cette expérience à d'autres artistes que je vois ici, avec qui je discute. Et le deuxième volet serait quand on reviendrait à Montréal, au fait, de pouvoir construire une expo sur cette question d'habiter le monde avec l'expérience qu'on aurait eue à Dakar, que les autres auraient eue à Dakar, parce que moi j'ai fait déjà Dakar 2 fois. Et le troisième volet du projet, au fait, c'est d'être dans le off de la Biennale de Dakar, qui se ferait en 2022. En gros, le projet s'est construit de cette façon-là. Et avec Clark, on a travaillé, on a fait un appel et on a fait un appel qui était d'ailleurs très intéressant parce que y a des dossiers qu'on a reçus peut-être des fois en retard parce qu'il y a des gens qui se posaient la question de savoir est-ce qu'ils devaient postuler à cet appel parce que l'appel disait, si je ne me rappelle, intéressé aux artistes afro-descendants. Et enfin, il y a aussi toute la question de dire, ben, toute la question de d'être afro-descendant. Donc, je ne veux pas aller dans les grandes discussions sur cette question-là ici. Mais moi, en fait, ça m'a conforté dans l'idée de ce projet. Et conforté aussi dans l'idée des choix des artistes que nous avons fait avec Clark pour présenter ce projet. Et comme je disais tantôt, moi, je ne parlerai pas vraiment beaucoup. Je laisserai plutôt aux artistes de vraiment chacun d'eux de venir parler de leur travail, de comment est-ce que eux ils habitent le monde à leur façon, avec leurs histoires, avec leurs expériences. Par là, j'insiste sur le fait que je ne veux pas dire que les personnes dites blanches habitent le monde toutes de la même façon, non. Et c'est comme ça, d'où l'idée aussi d'avoir cette expo, parce que dans cette expo,
C'était difficile d'avoir deux Africains, deux Caraïbéens, donc j'ai fait ça, j'ai fait comme je pouvais. Il y a beaucoup de Caraïbéens ici à Montréal. Donc finalement, et en même temps, c'était pour moi très intéressant parce que dans les discussions que j'ai eues avec chacun d'eux, même s'ils sont de la Caraïbe au fait, et encore une fois, je reviens encore avec ça, que ce n'est pas la même façon qu'on habite le monde parce que chacun de nous, tout justement, a ses expériences, ses histoires, son imaginaire ou ses imaginaires. Et chacun de nous, au fait, pour les artistes, dans la manière dont j'ai essayé de faire ce premier commissariat d'expo, au fait, c'est d'essayer de raconter une histoire, parce que bah, tous les commissaires racontent une histoire, mais moi, la plupart de mes rencontres, la plupart de mes œuvres, ou la plupart des choses qui me sont arrivées dans la vie, c'est vraiment des longues histoires. J'ai rencontré quelqu'un samedi, et puis un an après, qui m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre, qui a fait qu'on a parlé d'un projet, qui a fait que 2 ans après, et 4 ans. Ça a toujours été comme ça, au fait. Et c'est aussi de cette manière-là d'essayer d'arriver avec pas une nouvelle narration, avec une narration autre. Comment est-ce que chacun d'eux, j'ai essayé d'articuler avec chacun et chacune d'elles, au fait, comment est-ce que les narrations pouvaient se narrer ou se parler, si on peut dire ainsi, et comment est-ce que les formes pouvaient aussi se conjuguer, mais tout en gardant chacune de ces formes ou chacune de ces œuvres, en gardant une singularité, au fait. Parce que dans mon analyse, au fait, du monde, de la façon dont je vis le monde, les singularités font des pluralités. Donc, c'est un peu de cette façon-là que j'ai construit cette expo, et j'espère vraiment que vous allez avoir le temps d'aller la voir et la revoir. Parce que moi je suis très content et d'ailleurs je dis merci aux artistes au fait qui m'ont aussi fait confiance parce que moi j'insiste que c'est une première expo en tant que commissaire. Donc moi aussi j'ai essayé de voir comment est-ce que je suis artiste quand j'ai des commissaires qui font des expos en fait. Donc ça a été des expériences à plusieurs niveaux et aussi c'est aussi de cette façon-là que les œuvres elles-mêmes elles ont plusieurs niveaux de narration en fait. Et c'est ce que je veux aussi transmettre au fait par ce projet. Et avant de finir, je dirais, ce n'est pas un projet qui concerne que des personnes noires. C'est un projet où on réfléchit sur comment est-ce qu'on habite ce territoire qui est Montréal. Donc, habiter le territoire de Montréal, on n'a pas besoin d'avoir une couleur pour l'habiter. On a juste besoin d'être un humain au fait pour l'habiter, essayer de comprendre ce territoire-là. Donc, je laisserai plus la parole aux artistes, tout justement pour pouvoir, et je reviendrai de temps en temps avec des questions sur eux. Merci.